Oui, ça fonctionne parce que d'une part, les effectifs engagés s'investissent quand même considérablement. C'est une présence, je dirais, constante, nuit et jour. Ça permet aussi à la population de pouvoir constater que nous nous rapprochons plus près de leurs préoccupations. Et ça permet aussi d'envoyer un signe à la délinquance en leur disant que nous sommes présents. Que dites-vous à ceux qui disent que bon, finalement les quantités de drogue ne sont pas si importantes, les interpellations ne sont pas si importantes? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est-à-dire qu'en fait, les quantités, elles sont saisies au cours de ces opérations, mais elles sont saisies aussi en dehors des opérations. Ce n'est pas parce qu'on fait des opérations de place nette qu'on arrête la lutte contre la délinquance sur d'autres parties de la zone police, de la circonscription police. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui est important de voir, c'est que c'est un contrôle continu. Donc, il y a un moment où on ne peut pas interpeller toute la population. Forcément, on arrive à un seuil. Mais ce qui est intéressant de constater, et puis aussi de dire que notre action est bénéfique, ce qu'on peut quand même constater, c'est surtout le rétablissement du sentiment de tranquillité. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pour ça que pour nous, la conception d'opération passe-tête, indépendamment des opérations ponctuelles, c'est d'être présent sur une zone déterminée pendant une période déterminée, qui est généralement de 3 mois, pendant laquelle, avec l'ensemble des administrations, avec les services municipaux, nous menons des opérations de toute nature, qui ne sont pas forcément parfois de notre ressort, mais qui sont des opérations d'accompagnement d'autres administrations, d'autres services, au bénéfice de la population. On l'a vu, Saint-Thérèse, Dinan, quelles sont les prochaines cibles des opérations post-nettes? Alors là, en ce moment, nous sommes au Lamantin. Et après, il faut qu'on redétermine avec la ville de Fort-de-France, un autre quartier. Justement, au Lamantin, il y a eu des homicides graves il y a le temps. Est-ce que ça avance? Est-ce que vous avez pu l'enquête avance? Alors, effectivement, on a eu un fait divers qui était un homicide qui était quand même assez particulier. Là, on a l'enquête en cours, on comprend bien que je ne peux pas dire, mais je ne peux pas vous parler. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le Lamantin, effectivement, la configuration est différente de Fort-de-France, est moins urbanisée. Il y a un contexte qui est légèrement différent, mais ça nous permet aussi d'apporter le même niveau de réponse que sur la commune de Fort-de-France. C'est le même investissement en termes de présence d'unités de police sur place, parce que il faut que nous ayons, je dirais, la même qualité de service sur les deux communes.